Relevez-vous, mon ami. L'étoile de la mort sera terminée à temps. Vous avez bien travaillé, Seigneur Vador. Et maintenant, je devine que vous souhaitez continuer votre recherche du jeune Skywalker. Oui, mon maître. Patience, mon ami. En temps voulu, c'est lui qui vous retrouvera. Et lorsqu'il le fera, vous devrez le faire venir devant moi. Avec l'âge, il est devenu fort. Nous devrons être tous les deux pour l'attirer vers le côté obscur de la force. Je ferai selon vos désirs. Tout se passe à présent comme je l'avais prévu. Vous savez peut-être que des phénomènes étranges ont été signalés dans le monde. Ces photos ont été prises par l'un de nos satellites espions il y a 3 jours. De quoi s'agit-il ? On comptait sur le professeur pour nous renseigner. Bienvenue, jeune Skywalker. J'attends ta visite depuis longtemps. Tu n'as plus besoin de cela. Lorsque nous regardons certains films hollywoodiens, fantastiques ou de science-fiction, on est souvent intrigué par le contenu de leur scénario qui semble se rapprocher assez étrangement de certains récits bibliques, et plus précisément de celui du chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean dans lequel on évoquerait la manifestation de deux bêtes, dont la venue serait annonciatrice de la fin de notre monde. Par exemple, dans la saga Star Wars, dont vous venez de voir quelques extraits, ou Guerre des Étoiles, on reste figé par la ressemblance qui existerait entre les personnages impliqués dans cette saga futuriste et ceux qui seraient annoncés dans la Bible au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Par exemple, l'empereur Palpatine jouerait le rôle du diable. Dark Vador serait la fameuse bête à 7 têtes venant de la mer. Et le jeune Luke Skywalker, qui est poursuivi par les forces maléfiques de Dark Vador, jouerait en fait le rôle de ce mystérieux grand monarque que la Bible appellerait l'Antéchrist. Le deuxième film, dont vous avez vu un petit extrait, qui nous annonce clairement la venue de l'Antéchrist, c'est celui des 4 Fantastiques et du surfeur d'argent. Alors que Reed Richard, alias Mister Fantastic, et Susan Storm, la femme invisible, s'apprêtaient à se marier, on voit surgir alors du fond de l'espace un étrange surfeur d'argent qui provoquerait plusieurs cataclysmes autour de lui. Pour affronter cette nouvelle menace, ces fameux 4 Fantastiques sont contraints de s'allier avec leur ennemi, le docteur Fatalis. Mais par la suite, on comprend que ce surfeur d'argent n'est en fait que l'émissaire de Galactus, le dévoreur de mondes, et la Terre n'a plus que 7 jours devant elle. Étrange coïncidence quand on sait que la venue de l'Antéchrist sera le signe annonciateur de la fin de notre monde. Galactus, dit le dévoreur de monde dans le film des 4 Fantastiques et le surfeur d'argent, sera en fait le châtiment divin que Dieu réserve aux différents mondes pervertis, qui auraient été pervertis par les forces du mal. Quant au troisième film, intitulé L'avocat du diable, il ferait allusion à ce fameux consolateur ou paraclète dont Jésus-Christ avait annoncé la venue. L'avocat du diable, c'est un film américain qui a été réalisé par Taylor Hackford en 1997,
d'après le roman de Wells, Avocate, d'Andrew Netnerman. Bah, dans ce film, un jeune et brillant avocat joué par l'acteur Keanu Reeves est engagé par une grande firme new-yorkaise pour défendre ses clients, mais il s'apercevra progressivement que le dirigeant de cette firme, qui est joué par Al Pacino, pourrait bien être le diable en personne. Bah, à travers le jeu de rôle de Keanu Reeves, on faisait bien allusion en fait à ce paraclet qui, comme le précisent les évangiles, se manifesterait avant la fin de notre monde. Paraclet au consolateur qui, bien entendu, symboliserait en fait le personnage de ce mystérieux grand monarque hein, qu'on appelle l'Antéchrist aussi. Hein. Bah, Paraclès est un mot d'origine grecque qui signifie celui qu'on appelle à son secours ou celui qui intercède, formant les substantifs d'avocat, de défenseur ou d'intercesseur. Dans l'évangile selon saint Jean, il est écrit au chapitre 16, versets 13 à 14, hein, « Quand le Paraclès sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, hein, car il ne parlera pas de lui-même, hein, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, hein, il vous annoncera les choses à venir, hein, il me glorifiera. » Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Bah, l'Église catholique romaine reprendra la traduction latine de Paracletus hein, comme avocat hein, ou protecteur envoyé par Dieu pour parler dans le cœur des hommes. Bah, là, comme vous voyez, hein, dans le film L'avocat du diable, je pense qu'on ferait allusion à ce Paraclet. Bah, le prince des ténèbres serait arrivé à s'initier dans certains films en y inspirant le contenu de leur scénario. Bien entendu, quand on évoque le cinéma et le diable, on pense assez souvent aux films pornographiques, hein, qui, comme vous le savez, sont la résultante de la montée d'une apostasie qui, depuis la Révolution française de 1789, hein, nous aura éloigné tous les jours un peu plus de notre créateur. Bah, pornographique qui n'aurait jamais pu se répandre dans le monde sans la naissance de ce système ultralibéral qu'on appelle démocratie. D'ailleurs, la Bible nous aurait-elle même mis en garde contre l'avènement d'un système idéologique hein, qu'elle qualifie de grande prostituée dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de saint Jean, et par l'intermédiaire duquel nos nations légalisent désormais les fruits d'un péché qui avait jadis détruit Sodome et Gomorre. Bah, seules les nations dites sous gouvernance démocratique avaient osé légaliser toutes ces activités sexuelles hein, qui font le bonheur des esprits les plus malfaisants et les plus dépravés. Hein. La légalisation du mariage gay est ce fameux péché qui détruisit jadis les villes de Sodome et Gomorre, hein, ne l'oublions pas. Hein. Donc si vous savez que nos sociétés sont en train de légaliser ce qui a détruit ces cités, vous imaginez bien que notre monde va subir la même chose. Hein. D'ailleurs, dès que cet antéchrist se manifestera, vous saurez que ce sera le début de la fin déjà. Mais bon, revenons un peu à notre fameux diable, que vous avez vu dans les fameux extraits, hein, surtout dans la guerre des étoiles. Hein. C'est le diable est joué par l'empereur Palpatine. Hein. Bon, j'avoue que je ne sais pas pourquoi cet empereur a tendance à parler à la caméra, mais bon, on a toujours cette impression qu'il s'adresse à quelqu'un qui serait vivant sur cette planète, mais bon, ça c'est mon hypothèse. Hein. Ben, on ne peut pas étudier le diable si on n'évoque pas le monde des anges et leur hiérarchie. Hein. Selon la tradition, avant la précipitation du diable vers les ténèbres, hein, il y avait un conseil de 24 archanges, hein, qui était chargé de gérer l'activité des milliards d'anges. Ce conseil de 24 archanges peut être comparé à notre gouvernement, qui se compose d'un président de la République et de plusieurs ministres. Le chapitre 4 de l'Apocalypse de saint Jean évoquerait ce fameux nombre de 24 anges, archanges qui composerait le fameux gouvernement de Dieu. Bah, je vous cite les quelques versets. Hein. « Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis. Hein. » revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorèrent celui qui vit au siècle et des siècles. Et ils jetèrent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Bah là, c'est dit clairement dans ce petit, ces quelques versets, hein, les 24 vieillards, en réalité, ce sont les 24 archanges qui composent le gouvernement de Dieu. Ben, comme nous le savons, les différents ministres du gouvernement sont chargés de la gouvernance du pays.
et surtout de faire appliquer les différentes directives ou lois qui seront ordonnées par le président de la République française. Et pour faire appliquer toutes ces lois, nos ministres contacteront les préfets qui, eux, seront chargés de faire appliquer ces lois sur une échelle départementale. Et nos chers préfets aviseront les maires des différentes villes du département. Bah, dans le royaume de Dieu, bah, on retrouverait en fait quelques aspects de cette gouvernance avec quelques nuances, bien entendu, hein. Parce que vous avez les archanges. Et quand on évoque la hiérarchie des anges, les trônes, les séraphins, les chérubins, etc., etc., eh ben, les religieux en fait faisaient surtout allusion à la gouvernance de Dieu qui se ferait par l'intermédiaire d'une certaine hiérarchie des anges. Les 24 archanges seraient le niveau le plus élevé de cette gouvernance divine. Ensuite, vous avez par catégorie et par grade d'autres anges qui sont chargés d'autres choses. Bah, les archanges apparaissent dans les trois religions monothéistes, hein, judaïsme, christianisme et islam. Les archanges, comme l'indique le préfixe arc, sont au-dessus des anges, hein, dans les hiérarchies célestes. Hein. Ce sont eux qui sont à côté de Dieu, ce sont les 24 vieillards qui entourent le trône de Dieu. Donc, vous avez compris que ces 24 archanges commandent cette armée d'anges. Bon, les anges se chiffrent en milliards et en milliards. Hein. Donc, pour gérer tout ce beau monde, vous avez 24 archanges qui, eux, vont donner des ordres à des anges assez gradés, qui peuvent être l'équivalent des préfets, de nos préfets. Ces préfets, ces anges qui vont ressembler à nos préfets, donneront des ordres à ce qu'on appelle le maire. Hein. Et ainsi de suite, à chaque hiérarchie, vous avez un ange qui va commander d'autres anges. Bah, le mot archange vient du grec qui signifie commandement. L'ange est un messager, alors que l'archange est un messager qui annonce les grands événements. Par exemple, dans la religion islamique, c'est l'archange Gabriel qui enseignera le Coran au prophète Mahomet. Une fois l'enseignement établi, l'archange Gabriel chargera une équipe d'anges pour qu'elle accompagne le prophète afin de l'aider dans son travail de prédication qui donnera finalement naissance à la fameuse religion islamique. Parce que le prophète Mahomet n'a pas travaillé tout seul, hein. Il était encadré par une équipe d'anges qui gérait toute son activité, hein, pour lui permettre de créer et répandre la religion islamique. Hein. Bah, l'archange Gabriel, c'est aussi lui qui avait annoncé à Marie sa grossesse. Hein. Après cette annonce, cet archange Gabriel chargera là aussi une équipe d'anges pour qu'elle encadre et accompagne la destinée de Jésus-Christ. Parce que nous, on a toujours l'impression que ces prophètes et ces messies agissent sans rien, sans personne. Non, non, ces prophètes et ces messies sont toujours entourés et encadrés par une équipe d'anges qui est là pour comment dire, pour les encadrer et surtout pour accompagner leur destinée. Pour que leur enseignement religieux comment dire, soit viable sur la planète et se répandre pour donner les religions que nous connaissons. Sans ce travail des anges, je pense que le christianisme comme l'islam ou le judaïsme n'aurait pas pu se répandre, surtout le christianisme et l'islam. Hein. Puisque le judaïsme, comme je l'ai dit, il a tendance à être un peu nationaliste, donc le judaïsme ne se répand pas, il a tendance à rester sur lui-même. Les Juifs, la religion juive a toujours n'a jamais voulu se répandre. Ils se sont surtout installés, ils ont développé leur culte, mais ils n'ont jamais eu l'idée de se répandre. Même lorsqu'ils s'exportaient, ça, s'exportaient. Lorsque, par exemple, pendant la diaspora, les Juifs n'ont jamais voulu répandre le judaïsme. Hein. Ils se sont contentés d'aller s'installer dans les différents pays en gardant leur propre foi, sans vraiment convertir les autres. Hein. Ben oui, c'est ça le problème avec la religion juive. Ce qui n'est pas le cas avec le christianisme et l'islam. Ce sont deux religions, eux, qui se répandent, hein, et qui essaient de convertir le maximum d'adeptes. Hein. Donc, comme je viens de le dire, l'archange Gabriel, c'était celui qui avait annoncé à Marie sa grossesse. Hein. Et après cette annonce, l'archange Gabriel va charger une équipe d'anges d'encadrer et accompagner la destinée de Jésus-Christ. Ben, lui, le personnage du diable, était intégré dans ce gouvernement de Dieu qui se composait de 24 archanges. Oui, donc maintenant vous savez que le diable à l'origine c'était un archange. Quand Dieu présenta ce nouveau projet, la majorité des archanges l'acceptèrent, sauf deux ou trois. Oui, il n'était pas tout seul. Il y avait eu deux, voire trois archanges qui avaient refusé le projet que Dieu avait imposé.
Bah, le diable qui avait été le meneur de la rébellion sera finalement banni du royaume et plusieurs légions d'anges l'accompagneront. Puisque le diable ne va pas quitter le royaume tout seul, hein. Tous les anges qui vont refuser le programme de Dieu seront bannis du royaume. Et tous ces archanges et anges seront finalement démis de leur fonction par Dieu et perdront leur apparence angélique, hein, bien entendu, hein, pour ensuite revêtir celle que nous leur connaissons actuellement, celle des démons. Parce que les démons que vous voyez, vous savez, le diable avec ses cornettes, ses ailes noires, à l'origine c'était un archange, il ne faut pas l'oublier. C'est un archange lumineux, il irradiait d'une lumière incroyable. Bah, en refusant le programme de Dieu, bah, il a perdu sa lumière, hein, il a plongé dans les ténèbres, hein, comme vous le savez. Et les milliers d'anges qui ont refusé le programme, et bah, ils l'ont suivi, hein, c'est son armée maintenant. Bah, dans la religion islamique, on attribuerait au diable... On nous dit que dans le Coran, on nous dit que c'était pas à l'origine un ange, c'est une sorte de djinn fait de feu. Bah ça m'intrigue, hein, parce que moi personnellement, le diable a toujours été un archange dans mon esprit, hein. Et les djinns, je pense que quand on parle des djinns, on parle du bas astral et surtout des entités invisibles qui peupleraient ce bas astral. Quand je parle des entités invisibles, je parle des esprits de la nature qui sont chargés de l'activité. L'activité minérale, végétale et humaine et animale de notre planète. Ils sont là pour permettre à la création de se dérouler normalement. Je pense que les djinns, ça serait plutôt ces esprits de la nature. Quant au diable, je ne pense pas que ça soit un djinn. Le diable, personnellement, je pense que c'était un archange, hein, qui, comme il avait refusé... le programme de Dieu, parce que lui, comme c'était un archange et il était un peu le préféré de Dieu, il pensait que Dieu allait accepter sa requête, ce qui n'a pas été le cas, hein, puisque cet archange a été, lorsqu'il a refusé ce programme, a été se rebeller et le dire aux autres anges que nous ne sommes pas obligés d'accepter ce plan. Donc indirectement, le diable, depuis ce jour, le diable recherche une certaine liberté. Donc à cause de cela, il pousse les humanités à se libérer de l'emprise de Dieu. Parce que lui, dans son esprit, on n'était pas obligés d'accepter le programme de Dieu. Pourquoi Dieu nous aurait-il obligés à le faire, alors que nous sommes ses créatures? Le diable, c'est ça, dans son esprit, c'est ça, c'est voilà, c'est, il compare Dieu à un dictateur, hein, qui impose ses règles et ses lois. Et à cause de cela, ben, le diable descend dans les planètes pour pervertir les humanités, surtout les pousser à se libérer. Hein. Parce que quand vous entendez le mot liberté, en réalité, c'est la langue du diable qui parle. Hein. Parce qu'à travers la liberté, ben, c'est tout ce qui est la perversion. Hein. Tout ce qui est la légalisation de la perversion qui est mis en avant, hein, faut pas l'oublier. Hein. Bon, là j'en ai fini pour cette vidéo. Hein. Bon, c'est une petite vidéo, je voulais juste vous expliquer qu'à travers certains films, on nous présente le personnage de l'Antéchrist sous différents aspects. Hein. Bon, dans la guerre des étoiles, c'est le fameux Luke Skywalker. Dans les 4 Fantastiques, c'est le surfeur d'argent. Et d'ailleurs, cet antéchrist, on le retrouve dans les X-Men, hein, vous savez, le dernier film sur l'Apocalypse. Hein. Vous savez, la créature qui revient au bout de plusieurs milliers d'années, hein, là aussi, on fait allusion à cet antéchrist qui doit se remanifester. Donc, si le cinéma américain nous prépare, c'est pas par hasard. D'ailleurs, je voudrais vous dire quelques mots sur La Guerre des Mondes, réalisée par Steven Spielberg. Bon, vous connaissez le scénario d'origine, hein, parce que ce film est basé sur une histoire vraie, c'est une histoire vraie, non. C'est Orson Welles qui avait écrit une sorte de pièce qu'il avait commencé à raconter dans une radio. Cette pièce, c'était une invasion d'extraterrestres qui commençait à se répandre sur tout le pays. Et à cause de ça, les gens ont cru que c'était vraiment une invasion extraterrestre, donc ils ont commencé à paniquer, il s'est passé beaucoup trop de problèmes.
Alors donc, le gouvernement est intervenu, puis Orson Welles a dû dire que c'était pas une blague, mais bon, c'était une mise en scène. Et Spielberg a repris le scénario de Orson Welles pour nous faire La Guerre des Mondes. Mais si vous regardez attentivement le film La Guerre des Mondes, vous remarquerez que tout au début, vous avez l'ex-femme de Tom Cruise dans le film. Elle ramène, parce que c'est un couple divorcé, elle ramène ses deux enfants. Et pendant un bref instant, elle dit à Monsieur Tom Cruise, du moins son ex-mari, que l'un de ses fils a une dissertation à faire sur la colonisation de l'Algérie par la France. Alors, je me pose cette question, pourquoi cette phrase a été intégrée dans le scénario? Pour ceux qui suivent certaines de mes vidéos, je vous ai bien dit que ce grand monarque qui porterait le titre de Mahdi pourrait venir du Maghreb et probablement de l'Algérie. Est-ce que ce Steven Spielberg aurait reçu des informations de la part des autorités américaines qui auraient permis de mettre cette phrase, puisqu'il a été informé de certaines choses sur ce mystérieux grand monarque, surtout concernant l'activité extraterrestre. Parce que dites-vous une chose, hein, cet antéchrist, s'il prendra le contrôle du monde, c'est que déjà il va entrer en contact avec nos civilisations extraterrestres. Hein. Enfin, peut-être qu'ils sont déjà rentrés en contact avec lui, hein, s'il est déjà né, hein, parce que comme je l'ai dit, beaucoup de prophéties annonceraient sa naissance, annonçaient sa naissance au début des années 70. Hein. Ben voilà, hein, vous avez des réalisateurs qui vous intègrent des petites phrases comme ça, et vous vous posez la question, vous dites pour quelle raison cette phrase a été insérée dans le scénario de La Guerre des Mondes. Mais bon, bref. Je pense que c'est peut-être pour insister sur le fait que ce grand monarque viendra du Maghreb, il s'installera, il va pas s'installer, je pense qu'il va naître en France, parce que le grand monarque est annoncé, du moins. Visionnaires chrétiens nous disent qu'il naîtra en France. Donc je pense que les parents de ce grand monarque vont venir s'installer en France et lui il va naître ici. Bon, tout ça c'est mes hypothèses, hein. Je ne peux pas vous confirmer à 100% ce que je suis en train de vous dire, hein. Ça on le verra dans le futur, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.